C'est venu en fait depuis tout petit. J'ai commencé par regarder le Club Dorothée. Voilà. Je chantais toujours devant ma télé. Et puis j'ai commencé très tard à prendre des cours de chant. J'ai commencé vers l'âge de 18 ans. Et puis c'est vraiment à partir de ce moment-là que je me suis un peu affirmé et que j'ai vraiment compris que c'était par là que je voulais aller. Tu as eu un premier rôle dans une réadaptation de la comédie musicale Don Juan. C'est une chouette expérience pour toi ? C'était une chouette expérience. J'ai eu du mal parce que j'étais pas à la base très comédie musicale, donc il a fallu que je bosse beaucoup sur le personnage, mais finalement ça m'a appris pas mal, et c'est un peu grâce à ça que j'ai appris un peu la scène. Donc je regrette pas d'avoir fait. Ça m'a apporté un peu de reconnaissance vis-à-vis des gens que je croisais. Ça m'a apporté plein de concerts, plein de scènes et tout ça. Donc je ne regrette pas, j'ai eu plein de contacts grâce à ça. Bon, ça ne m'a pas non plus ouvert toutes les portes du monde, mais c'était cool, c'était chouette à faire. Je travaille surtout avec une association en France qui s'appelle le Relais des Rêves. Et voilà, ils essayent de réaliser un peu les rêves des enfants malades, ceux qui n'ont pas vraiment de la chance de pouvoir de faire ce qu'ils veulent à cause de leur maladie. Donc voilà, ça me tient à cœur de faire des choses pareilles parce que voilà, moi je suis bien, il y a plein de gens qui sont bien, mais on pense pas assez à ces gens-là et voilà, ça me touche. Au niveau de ton actu, ton répertoire, aujourd'hui tu vas nous montrer quoi sur scène ? Aujourd'hui je vais faire plus, donc il y aura deux parties, ce sera une partie piano-voix où je ferai du Rihanna et du David Guetta, et la seconde partie ce sera un peu plus punch, et là ce sera du Queen, du Calogero et alors du Jean-Jacques Goldman. Bien, pour le moment, je suis en train de bosser un peu sur mon premier single, donc vous pouvez me souhaiter que ça marche. donc voilà, je suis content de ce qui se passe pour le moment, ça avance et j'espère que ça ira pour la suite.